mondiale mobilise 35 millions de dollars pour accompagner le gouvernement tchadien. Cette somme permet d'appuyer le projet de mobilisation et de gestion des ressources intérieures. Le document est paraphé entre le représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, François Nakobogo, et le ministre de l'économie et de la planification du développement, Dr Issa Doubraye. Par ce projet, la Banque mondiale cherche à renforcer la capacité de mobilisation des ressources intérieures hors pétrole, de manière à réduire sa vulnérabilité aux chocs exogènes. Cette somme s'appuie aussi sur d'autres institutions clés. Il s'agit notamment du ministère des Finances et du Budget, à travers les départements des impôts et des douanes, du ministère du Pétrole et la Société des hydrocarbures du Tchad, ainsi que celui des postes des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Que ces projets s'inscrivent pleinement dans les priorités du Plan national de développement 2017-2021, dont l'axe 2 met un accent particulier sur la promotion de la gouvernance économique, notamment à travers le renforcement de façon durable des capacités des finances publiques et l'augmentation des recettes publiques. Le geste de la Banque mondiale aux côtés de l'État tchadien réaffirme davantage le lien des partenariats.